Bienvenue sur Thé éternel, toujours fin du lundi au mardi, du 13 au 14. Je suis encore bien réfléchi au problème. Putain, c'est compliqué. Bon, en haut tu dirais les juifs, au milieu tu dirais les sarrasins, en bas tu dirais les chrétiens. Bon, aux juifs, ils ont laissé juste un œil pour compter le pognon qu'ils vont plus gagner. Comme ça, ils ont juste coupé une patte. C'est pour le pétrole qu'ils vont plus vendre parce que c'est le sang de la terre. Aux chrétiens, bon, ils entament juste les cornes. C'est pourquoi? Parce qu'ils ont gardé le bout du zeub. Tu sais, des voitures, par exemple, sans capot moteur, ça passe pas le contrôle technique. Alors, qu'est-ce que tu dirais là-dessus? Tu dirais, bon, bah oui, ok. Comme ça. Ouais, c'est pour ça, peut-être que c'est la guerre. C'est les seuls qui n'ont pas le capot sur le moteur. On leur a coupé le bout de la bite. Alors la bite, tu dis BEATS, les bites. On a coupé la connexion. T'es livré comme ça, on coupe rien. Non, faut arrêter d'être con aussi. Hein. Peut-être que ça réglerait le problème aussi sur Terre, ça. Comme ils sentent qu'il leur manque un truc, ils te font encore plus chier. Ça, je vais demander à mon psychologue, je vais demander à mon psychiatre. Des gens qui soient cons, mais pétants hein, quand même. Sur une bonne caisse, c'est 14, 16, 18. En tout cas, demain, on est mardi 14. Ça a mis longtemps là, pour filmer. Hein. Mais j'ai encore mes pierres, mes machins et tout, parce que j'ai tout planqué, parce qu'il y avait des invités. Mais n'empêche que. N'empêche que les monothéistes, les trois, ils marchent dans le même sens. C'est comme le code de la route, les voitures. Il faut que ça marche dans le même sens. Il y a plusieurs couleurs, il y a plusieurs motorisations. Il y a plein de trucs. Comme ça. L'important, c'est que tout le monde roule dans le même sens. Alors la deuxième loi, c'est rapport. Non, ce sera la troisième. Bah, écoute, pour l'instant, c'est à partir de 7 ans. C'est obligatoire et gratuit d'avoir une carte d'identité, un passeport et le droit de vote à partir de 7 ans, car c'est l'âge de raison. Poète. C'est comme ça, et puis c'est tout, sur toute la planète. C'est planétaire, et si t'es pas content, je t'emmerde. Bon, il y a Bardot qui s'est pris la tête avec Nicolas Bulot. Bon, on sait pas qui c'est le lâche, on sait pas qui c'est le faux cul. Enfin, la Bardot, elle est plus tranquille que le Hulot. Hein. Parce que non, ça ne doit pas être facile. Hein. Même pas l'écologie, là. Transfusion, transition de merde. Par État corrompu, garanti, certifié. Et que c'est vrai qu'il ne te laisse pas ouvrir ta gueule. Mais quand même, tu as l'appui du ministre de l'Extérieur, Chris de Nice éternel. Alors, tout minuscule, tout attaché, téléternelchrisdenis@gmail.com. Franchement, quand tu verras ce truc, j'aimerais bien que tu m'écrives. Ceci s'adresse à Nicolas Hulot, parce que moi je dis Bulot, parce que voilà, on dirait du Ushuaïa quand je faisais les fruits de mer. Omar m'a tué, c'est pas Omar. Hein. J'étais cancer, mais si tu crèves le zodiaque, bah tu vas couler. Allons, c'est là que j'ai ma révélation. Poète, 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 poète. Bon, Nicolas, faut que tu parles à ton ministre de l'Extérieur, sinon ça va pas aller pour toi. Comme ça.